Bonjour à tous et à tous amis, c'est pas une amie, et bienvenue dans l'épisode 173 de notre Let's Play Dragon Quest Builders 2. J'espère que vous allez bien les amis. Dans le dernier épisode, nous avions fait ici même la citadelle des héritiers de Chaos. Et nous avions fait ici une salle pour le petit Jérôme et le petit Jérémy. Les vieux, on va les appeler comme ça, les deux vieux. Et du coup, aujourd'hui, j'ai regardé la tablette, il me reste une salle, du coup, une salle à faire, du coup. Voilà, donc, pour saisir plein de salles différentes. Donc, je vais me rendre du côté des airs écarlates. Pourquoi me direz-vous? Bah, vous allez voir. Cric, demi-tour. Il y a quoi dans ici le coffre? D'accord, pas grand chose. Qu'est-ce que j'ai sur moi? Pas grand chose. Bref. Du coup, on va descendre dans les tréfonds. Parce que vous savez, ici, il y a un tréfonds. Il y a un fond en fond. Bref, il y a ça. Pas envie. Donc du coup, j'ai envie de faire quelque chose. Alors, problème. Allez, là. C'est que si je mets... J'ai une porte. Je mets une porte. Ah, là, admettons. Merci. Je mets une porte là, admettons. Et que là, je vais prendre du sable. Parce que c'est plus simple. Je fais une salle. Alors, pourquoi c'est peine ça? Ça me fait une salle ici, mais ça me fait une minuscule salle ici. Parce que du coup, c'est la même hauteur. Donc du coup, il faudrait que je casse ça, je pense. Là, il n'y a plus de salle. Là, il y a une petite salle. Mais du coup, là, il n'y a pas de minuscule salle. Si, attendez. Ah. Là, il y a une petite salle. Il y a plus de petits. Bref, c'est le bordel. Parce que le problème, c'est que si je mets ça là, ça fait une minuscule salle et une petite salle. Et il y a toujours la minuscule salle. C'est chiant. Si je fais ça. Et il y a toujours la minuscule salle. Je sais même pas jusqu'où elle va, la minuscule salle. Ah mais là. Je sais pas. Donc voilà. Donc je peux pas faire de salle ici. Voilà, c'est testé, ça marche pas. Bref. Je voulais juste tester ça. Ok. Non. Du coup. Vu que ça marche pas, on va. Et on va repartir du coup. On va faire ça par là. Il me faut une salle pour le faire. C'est beau, dis donc. C'est beau, c'est joyeux, c'est magnifique.
Par contre, il y en a que là. Ouais, ils en mettent de l'autre côté. Donc, du coup, ouais, ils ont l'air sales sans voyant. Ils font de la muscu. On va peut-être. Je sais pas où est-ce qu'on va la faire. Faire la salle. Bah, tiens, du coup. Déjà, il faut aller chercher en bas, du coup, la lave. Parce que j'en avoir besoin. Vous savez pas ce que je vais faire, moi je sais ce que je vais faire. Merde. C'est vrai que je prenais des dégâts. Ok. Alors, on va remonter. On va se faire une salle. Avec du coup des blocs, il me faut des blocs comme ça. On va prendre du basalte aussi. Voilà, et on va se faire la salle. Alors, du coup, la salle, on va se la faire là. On va virer le pendule là. Voilà, ça se dégage. On va la mettre ici. Ah, voilà, l'horloge là, mythique. Soul. Du coup là on va alors ça ce sera refait, vous en faites pas. On va mettre un champ là à la place. Parce que ça marche pas du coup. Et du coup là on va faire une salle. Voilà. Hop. Hop. Voilà. On va mettre ici. Là, on va mettre quelques blocs comme ça par-ci, par-lou. Pour faire comprendre que voilà, bah c'est pas voilà. Hop, voilà. Alors, ça a peut-être aucun sens ce que je fais pour certains. Et pour moi, ça a du sens. Hop, voilà. Hop, tac. On va finir de faire les deux de haut. Voilà. Là, une petite salle. Bon. Dans cette petite salle, on va mettre de la lave. Voilà. Et normalement dans cette même petite salle, si j'y ajoute des cailloux, si je retrouve les fameux cailloux, les graviers là, normalement, alors déjà on va s'équiper de ça parce que bon voilà. Normalement, si je mets des cailloux, j'obtiens une salle. Voilà, petite salle bouillonnante. Voilà, objectif de la tablette, construire plein de salles différentes, c'est fini. Voilà, donc on peut avoir des salles comme ça. Ah, il est là-haut, ok, épatant, mini-médaille. Mini-médaille, ok. Trois objectifs, jumelles de bâtisseur, voilà. Donc on va faire des salles totalement bizarres comme ça, où on peut se baigner dans le dedans. Ah mais si on met le basalte dedans, ça devient de la lave. Merde. Ah ouais, vous mettez du basalte dedans, ça fait de la lave incroyable.
Du coup, vous savez que en mettant du basalte au contact de la lave, ça fait de la lave. Tac. Voilà. Alors, à salle bizarre, bah teneur bizarre, bref. J'ai oublié ce que je voulais dire avec bizarre, mais c'est pas grave. Bon bah voilà. Bon, bah. Voilà. C'est une salle catastrophique, voilà. On peut même mettre, allez, on va être encore plus fou. Toujours la lave là, ouais, y a toujours la lave. Ah, y a un écart, non? Ah non, c'est ok. On va mettre, allez, un coup comme ça. Ce qu'il faisait, il faisait des bruits bizarres. Hop, allez. Voilà. Merde. Ah bah merde. Punaise. Je fais tout pas comme il faut. Voilà, bon, j'aurais fait 20 000 fois la même salle, c'est pas grave. Là, ça m'a enlevé la lave là derrière. Oui, bah oui, forcément. Yep. On touche plus. Bon, voilà. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, au cas où là, hein, je suis toujours aussi tordu. C'est tout à fait normal. Vous en faites pas. Je suis tout à fait normal. Hop, on va être là aussi. Voilà, c'est tout moi de faire des trucs bizarres comme ça. Bref. Vous inquiétez pas. Du coup là, on va tout enlever. J'ai dit. Donc vu que j'ai dit. C'est ce qu'on va faire. Par contre. Il est où? Il est où le morceau de cactus? El morceau des cacotos. Alors, du coup. La recherche du morceau de cactus. Là, je te tiens. Voilà. Y'a quoi là-dedans? Il n'y a rien. Ok, bon, du coup, on va tout exploser comme ça, hop, voilà, voilà. Bon, on récupère des murs, un chou modulable. Non, voilà.
Ok. Ça, ça me saoule. On a du coup bah, des trucs, mais là on va faire du un champ. Là. On range ça. On y range, ça on y garde du coup. On range. Et ça, mais ok. Mais du coup, il va falloir que j'aille appeler Léon. Le bon Léon. On va faire venir le bon Léon ici. Du coup. Déplacer sable. Et moi, allez. Je vais aller du côté de ce côté-là. Du coup, on va aller chercher des graines. Non, pas chez l'ancien bâtisseur où je sais pas encore ce que je vais y faire là, mais de l'autre côté. Il doit bien avoir des graines dans le coin là, non? Grains de café, blé noir. Quelle heure est-ce ? Là. J'ai pas de graines. Ah, c'est embêtant si j'ai pas de graines, les enfants. Ah oui. Alors, j'ai pas de graines. Et ça risque d'être compliqué pour les autres. Non, alors, sélectionner. Non, sélectionner. Non, sélectionner. Sortir. On va sortir 113. Voilà. On va prendre le chou aussi. Voilà, hop. Comme ça, on se prend pas le chou. On retourne au désert écarlate et on va leur faire leur champ. Parce que sinon, ils boufferont jamais. Ils sont déjà en train de crever. Donc voilà, j'ai une varèche. Merci pour le chien. Il m'a donné ça. Je vais plus le remercier plus tôt. Mais voilà. Alors, c'est pas tout parce qu'ils ont une salle en haut et on va rajouter des choses. Mais d'abord, on doit mettre ça. Je vais leur mettre de la terre aussi. Pas de la terre glaise parce qu'il peut rien faire à Léon avec. Je vais leur mettre bah, tiens, de la terre aride. Ça me... Au moins j'en aurai plus, ça ira bien. Au moins ça m'aide à enlever tout ça. Merci. Hop, on va du coup. Nyeh. Ah le champ j'arrive pas. Punaise. Je sais pas poser de bloc. M'énerve. King. Voilà. On va éclairer un peu tout ça parce qu'il faut un peu d'éclairage quand même. Voilà. Voilà. On va pas mettre d'eau. Ah oui, il leur faut de l'eau en fait. J'ai dit on va pas leur mettre d'eau parce qu'ils en ont pas besoin. Bah non, ils en ont pas besoin. Je suis bête, il y a de l'eau juste à côté. Par contre, je suis en train de me dire. C'est bien beau de leur faire ça, mais par contre, alors ce que j'étais en train de me dire, avant que je ne coupe subitement pour des raisons qui me regardent,
c'est que j'ai pas de fermier. Est-ce que c'est contradictoire? Est-ce qu'ils vont quand même cultiver même s'il n'y a pas de fermier? C'est la question. Le coffre, il est là. On va le mettre ici. Je vais mettre... Là, on va mettre... les graines. Je pense pas qu'ils vont... sortir les bêches. Du blé. Mais je planterai quand même du... Je planterai quand même du chou. C'est très contradictoire. Ouais, bon, on va... Du sable. Du sable, du sable, du sable. Ici. C'est un champ. Bah du coup je vais faire venir Philibert, tiens. Je pense. Attendez. Si je fais venir Philibert, pas de problème. Alors je vais pas faire venir le mecha. Parce que j'ai... Je pense qu'il est mieux là-bas. Il y a plus de champs. Mais il faut quand même qu'elle... Excusez-moi, qu'est-ce que vous foutez là, vous? Cassez-vous, idéalement la direction. Non mais oh, elle s'est pris pour qui, elle? Elle se balade comme ça sur mon île. Alors, du coup, Philippe... Oh, attends. Ouais, non, c'est sympa et c'est l'inverse. Du coup, Philibert, on a dit. Et où, Philibert? Là. Tu vas être déplacé ici. Et ici, on va dire à Léon, tu peux retourner au jardin. Merci. Bien, du coup. On va, on a Philibert qui est arrivé. Qui dit au revoir à Léon Brick. Et du coup, il va pouvoir venir travailler ici au champ. Bien. Mais bah vous avez rien à bouffer, c'est bon, ça va arriver, vous en faites pas. Vous en faites pas pour ça, ça va arriver. Je vais lui mettre le cactus en. Du coup, vu qu'on parle de cactus tout 5 minutes, bon, j'ai fait une cuisine royale, c'est bien beau. Mais on va améliorer la cuisine royale. Pas qu'elle soit mauvaise, détrompez-vous, elle est très bien. Elle est très bien. Juste, du coup, quand ils vont monter les machins ici... Il faut qu'on fasse quelque chose. Je suis juste en train de regarder, je crois que j'ai oublié un truc, non? Non, c'est bon. Ok, donc il y a la champignonnière là-bas en dessous. Mais du coup, s'ils peuvent pas faire leur truc comme il faut, ça risque d'être problématique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, on va faire un petit feu de camp. Enfin, deux petits feux de camp. Parce que du coup, on a de poêles. Ok, donc on va mettre du coup les feux de camp. On va les mettre ici. Oh, bon, ils peuvent passer un sous-plafond. Et on va aussi rajouter... Alors, je voulais... Oui, les... Je voulais leur faire un bar. On leur fera le bar. Mais je vais quand même prendre du coup deux fûts de brasseur. Que je vais mettre là-bas dedans. Et on va mettre une goule au travail. Est-ce que j'ai une goule par là? Il me semble que j'ai une goule. J'ai pas de goule. C'est pas normal ça.
Alors on verra avec eux si on peut pas les faire venir à la place d'autres pour leur mettre, je sais pas, ce qu'on verra. Pour les mettre avec d'autres. Alors, je cherchais du coup une goule. Alors, la goule, ok, et l'autre mortif, il est où? Mortif, il est là-bas. Bon, on va le laisser là-bas. On va prendre la goule. Vu qu'elle fait rien là-bas, et déplacer ici. Voilà. Au moins tu vas avoir un peu de taf ici parce que là-bas tu, bah, tu faisais rien, cher ami. Donc, du coup, ici, second étage, monte. Arrive ici. Là, il y a quoi dans ce coffre? Oh, des coquerissés. Alors, bon, après, je sais pas s'ils vont prendre dans les poissons qu'il y a là. Je sais pas. Regarde. Ah. Hop, on va mettre ça ici. Et là, on va mettre. Bah, les deux fichiers, mais là, c'est chiant. On va les mettre ici. Voilà. Maintenant, au travail. Et hop. Et si a commencé Philibert à travailler en dessous? Est-ce que Philibert a commencé à travailler ici? Non. Bon. De toute façon, il plantera, hein. C'est pas un problème. Il y a des bolets là, ils peuvent les monter, hein. Il pourrait les monter, les bolets. Bon, je vais les monter à leur place parce que sinon ils mangeront jamais. Qu'est-ce qu'il avait ramené, Philibert? Je sais pas ce qu'il a ramené. Des patates. Par contre, il est où le Philibert là? Ouais, parce que. Attention, j'aime bien Philibert, mais je sais pas où il est. Bon. D'accord. C'est pas un problème, Philibert, si tu plantes pas, c'est pas... Si tu me lances pas tout de suite. Alors oui, donc au-dessus, je voulais faire quelque chose pour la fin de cet épisode. Hein. On va faire quelque chose au-dessus. On va tout simplement mettre des fontaines. Parce que c'est bien d'avoir un endroit comme ça, mais avec des fontaines, c'est mieux. Donc j'ai eu l'idée de faire des fontaines. Je sais pas lesquelles on va mettre, donc on va en mettre quelques-unes. On va regarder les celles qu'on a du coup. Alors les fontaines, c'est par là. Normalement, dans cet endroit-là, il y a des fontaines. Voilà. Il y a plusieurs fontaines. Donc purificatrice, on sait ce que c'est. Extravagante. On va mettre quelques-unes. Alors bon, ça c'est des bombes. Bon, en soi, on s'en fout. On va mettre. On a que ça en fontaine. Bon alors. Non, on a. Ah, jet d'eau, fontaine féroce, voilà. Interrupteur proche, intervalle régulier peut être éteint. Ah, d'accord. Bah, ça, on verra peut-être vers. Les champs verdois, du coup. On va mettre des fontaines extravagantes, on va en mettre. Bon, on va en mettre 2. 4. 4. On va en mettre 4, voilà. Il est comme ça, on va en mettre 4 aussi. Voilà. J'aime bien quand c'est bien fait, quand c'est beau. Bon, du coup, il faut que ce soit dans de l'eau, donc forcément. On va en mettre une. Ici. On va en mettre une. Ici, je suis en train de dire que là, il me manque un bloc doré. Ah non, c'est juste pas bien mis. C'est moi qui sais pas placer mes fontaines du coup. Bah alors, j'ai l'impression que c'est pas symétrique. C'est moi qui suis pas symétrique. Une là, une là, une là, une là. Voilà.
Du coup, ici, on va en mettre une ici. Une ici. Des ensembles des fontaines, voilà. C'est beau comme ça, vous trouvez pas? Philibert, tu veux pas aller bosser, s'il te plaît? Gros enfoiré. Philibert, va bosser! Bon! Bah écoutez, on va terminer l'épisode là-dessus, hein. J'ai pas grand-chose. Mis à part que ça va faire du bruit, j'espère que ça fait pas trop de bruit en bas. Wow, ça va encore, ça fait pas trop de bruit. Pourquoi le marte-brun il... Ah, je vois. Bah on va demander peut-être à Gen ou à Épiglure d'aller sur les... Parce que du coup, marte-brun, il y a l'autre là-bas aussi qui est tout seul. Ah, ah, ils sont beaucoup. On va passer du côté des champs verdois. Parce qu'ils ont pas... Là-bas, il y a plein de paillasses. Il y a personne qui dort. Ouais, on va aller voir les champs verdois. Jardin verdoyant. Combien il y en a qui dorment dans, dans les paillasses là, à côté du resto. Alors déjà, les animaux, ils dorment pas. Bon, si on compte la poule et la vache, on va dire qu'il y en a deux qui sont pris. Donc 1, 2. Attendez. Ah, la poule elle va se coucher, donc la vache, hein, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 places. Donc déjà, on va en mettre 2 ici parce que là-bas, bah, ici. Donc, ici, il y en a 2, 3 même qui n'arrivent pas à dormir. Donc, on va prendre le smilodon. Tu vas être déplacé du coup ici. Là. Merde, mais non, j'ai pas vu ici. Grimmy, tu vas rester là-bas parce qu'il y a Épiglure et Guéhenne. Après, qu'est-ce qu'il y a là? Atroce. Atox. Atroce, on va te déplacer là-bas. Du coup, on va ramener encore des gens ici. On va ramener le Médigluant, on va le déplacer ici. Gardien de pierre et golem d'or, j'ai envie de les laisser là-bas. Bah, marte-brun, tu vas venir ici. Et le gluant, tu vas venir ici. Voilà. Après, bon, bah. Tiens, Magnar, on va lui. On va lui faire. On va... Dans le prochain épisode, on lui fera une forge à Magnar. Parce que. Voilà, on a appris à faire des forges. Mais. On s'en sert pas, punaise, il y a aussi mon bâtiment qui est là-haut. Bon, fin de cet épisode, on va aller voir le bâtiment. Sur ce, les amis, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce bleu, à activer la petite cloche. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo et à la commenter. Ça me ferait super plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Et nous, on va pas se mettre sur le banc là qui existe depuis des années. On va se mettre là-bas. Voilà, j'ai envie de revoir une... C'est n'importe quoi ici. C'est n'importe quoi, j'ai même la coiffeuse. Donc c'est du grand n'importe quoi. J'ai encore mon étendard de ma bannière de guerre ici. C'est n'importe quoi. Faudrait que je fasse quelque chose de cette salle. Sur ce, les amis, je vous laisse. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. C'était Paillon 2000. Portez-vous bien. Et à très vite.